Alors, maintenant, pour les mathématiques, on a déjà travaillé sur les circuits fermés, les circuits ouverts. Et donc, maintenant, c'est le dernier petit travail que vous allez essayer de faire tout seul, sans papa, sans maman. Alors, ici, vous allez déjà commencer par écrire votre prénom. Là, et ici, la date. Ensuite, vous allez devoir prendre une paire de ciseaux. Et avec votre paire de ciseaux, découper ici sur les pointillés. Ensuite, vous allez découper ici le tour. Je découpe comme d'habitude le tour. Et ensuite, je découpe sur les traits à l'intérieur. Donc maintenant, vous allez avoir 6 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on a 6 cases vides aussi. Les carrés que vous avez là, vous allez devoir essayer de construire un circuit fermé. Utilise les 6 cartes pour construire un circuit fermé. Donc c'est comme un puzzle, on va les mettre ici et il faut vraiment qu'il y ait un circuit qui soit bien fermé. C'est à vous. Vous pouvez prendre des photos et me les envoyer.